Moi, je ne suis pas pour la nostalgie, comme tu sais. Je suis pour le symbole. Oui. Donc, je me suis mis devant la porte. Pour moi, ça n'existe pas, la petite cour. Là où Choron a fini, c'est pas ce qui est intéressant, c'est là où il a commencé. C'est assez bien imprimé. Elle est belle cette photo. Elle est puissante. Même lui et Charlie. On est arrivé à un tel stade de compromission, de traîtrise, de dégueulasserie, de guimauverie, que même Hitler aujourd'hui serait Charlie. Ah bah, merci. Merci. Il y a énormément de pages, et puis, effectivement, c'est dingue. Le travail. Les garçons. Ça commence bien. Mon cher Alain, comment vas-tu? Très bien. Ah, je suis content de te voir. Mais t'es même en photo. Il a mis Vilma au milieu des ratés. Tiens, puisque tu dis que je suis... Non, attends, je change de lunettes, je vais pas regarder. Demande-en à Anna. C'est très très beau. Ce dessin de Choron, là. Oui, oui. Voilà, enfin vous. Ah, c'est le père de Luz. Ah, c'est ses pères de Luz. Une vieille main qui dessine dans Charlie. Oui, hein. Personne ne comprend. À 25 ans, il fait des illustrations. Ah ouais, parce que c'est pas grave. Il a vu ce qu'il y avait dans le journal à côté. Il a vu ce qu'il cautionnait. Non, mais ça, écoute. Tu sais, c'est Wilmain, Fabien, tu sais. Le jour où tu arriveras à. Mais je veux rien faire. À guider Wilmain dans la bonne voie. Quoi? Bah oui, je comprends. Mais parce que c'est là où j'ai frappé à la porte en France pour le 14. Donc je me mets mon tréteau devant la porte. Voilà. Voilà. Comment. Je suis Charlie. Même lui est Charlie, toi. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu veux dire de Charlie. Parce ah voilà. Que... Oui, oui. Justice doit tomber. Je vais expliquer. Il faut qu'elle tombe. Nabokov, c'est dans l'hôtel du palais derrière. Ouais. Nabokov. Vous allez être les petits poulets. Donc ces mecs qui ont été flingués en dehors de Cabu et Wolinski, qui sont un cas à part, ce sont des fumiers. Ce sont des ordures. Sharp, Tinius, Luz. Il n'a pas été flingué, mais au risque, les mecs blessés, tout ça, c'est des cons. Hein. Des mecs qui ont fait beaucoup de mal et qui ont cassé le mythe et qui ont sali cette porte, qui ont chié dessus pendant 25 ans. Celui-là, c'est Zemmour. Ah, c'est Zemmour. Michel Onfray. Oui, ça, Onfray. En plus, on dirait même pas un montage. Quoi. Non, c'est pas un montage. Non, c'est pas un montage. C'est pas un, d'ailleurs. Et Denis Robert aussi, il passe. Tout se passe très bien. Voilà, donc on est prêt. Attends, je vais prendre. Tino, tu es avec moi, on lance patience. Ah oui. Il est juste à côté de moi. Voilà. Comment? Voilà. Ben, c'est donc, Laurent, il faudrait. On est avec Laurent en direct. Regarde pas. Et il lance. Voilà. Donc la fusée décolle à cette heure-ci. Dans un quart d'heure, la fusée décolle. C'est la NASA, hein, c'est Cap. Il est 20h55, oui. Ok, à 21h. You can go. Ok, le 20, man. Le 20 août. Go to fly to the moon. Fly to the moon. Wilmain n'a pas osé venir. Ah bon? C'est triste pour lui. C'est... Thank you.
C'est Philippe Petit, ça. Qui sait sur lui? C'est Lançon. C'est Lançon. C'est la grande victime de... victime de la liberté d'expression. Ça, je l'avais vu déjà. C'est une des plus... Un tellement bon critique. J'ai vu une photo de Cabana à Cannes. Il doit s'en prendre plein la gueule, le pauvre Cabana. Cabana, le vieux traître. Ces mecs-là, Honoré, l'autre, il a fait l'affiche avec Honoré. Comme j'expliquais à Virginie, Honoré, c'est un vrai fumier. Mais tu vois les dessins de riz, il a des dessins de Coco. Par exemple, les dessins de la Coco, là, qui s'est énervée d'ailleurs quand il y a eu un tweet où on a annoncé mon patience. Tout de suite, elle s'est énervée. Dans un rock. C'est une saloperie. Bon, mais c'est bien, beau travail, on va les lire maintenant. Exactement. Ça serait une bonne nouvelle à faire, ça.